Salut tout le monde, c'est Ghost of War, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui les amis. On se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne YouTube aujourd'hui. On se retrouve sur le jeu Ninja Turtle Shredder Revenge. Un jeu qui est sorti il me semble l'année dernière, en 2023 si je me trompe pas. Ou peut-être 2022, quelque chose comme ça. Moi qui ai joué au tout premier Tortue Ninja sur Super Nintendo, je serais curieux de voir un petit peu ce retour de Ninja Turtle avec un petit peu des graphismes dernière génération, même s'ils ont quand même gardé le style de l'époque, et ça c'est plutôt agréable. Allez hop, c'est parti pour le premier épisode du Let's Play. Histoire, nouvelle partie. On va mettre tranquille, ok, ou extrême. Je pense qu'on peut se mettre en mode ok. Alors les touches, c'est vraiment clavier souris donc. Tu vois, faut que je m'y habitue un petit peu à toutes les touches. J'espère m'en sortir. C'est là que je joue uniquement avec le clavier. Select votre héros, ok. Alors, Raphaël, Donatello. Vitesse, appui, Splinter, pardon, excusez-moi. Leonardo, il a un partout. Il a un peu plus de vitesse, un peu plus de puissance. Bah, j'aimerais bien jouer. Jouer Raphaël. C'est parti. Donc là, je crois que je joue en solo, mais on dirait qu'on peut jouer en ligne. On dirait que ça m'était trouvé le joueur et tout. T'as content de revenir sur un petit jeu comme ça là? Est-ce que la cam est placée au bon endroit? Ça je vais le découvrir avec vous, je vais essayer de faire attention au petit retour OBS pour voir si c'est agréable pour vous en termes de vision, que ça ne vous cache pas des choses importantes. Le retour de Shredder. Je me rappelle, c'est des petits sous-fifres un petit peu. Je veux pas accélérer un petit peu les cinématiques, je vais les laisser et tout, hein, c'est quand même sympa. Épisode 1, nouvelle époustouflante. Zone Studio Channel 6. Ok, très bien. Il y a Shredder qui est là, attention! Alors là, je m'y habitue un petit peu. Oh, c'est kiffant d'entraîner sur un jeu comme ça! Hop là! Oh, j'ai même pas vu ce prêt. Alors, du coup, ça, c'est ma petite roue là derrière. C'est attaque puissante, ok. Attaque normale. Ça, c'est pour provoquer. Moi, je crois que je suis plus à peu près bien. Il y a peut-être des coups à faire, à maîtriser, mais bon. Ah, il y avait un défi si t'as mis le niveau sans être blessé. Ah, excusez-moi, là, c'est mes débuts, c'est mes débuts. Attends, je peux peut-être aller là-haut. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Mais attends, j'aurais pu faire une super attaque là. Ok, ça a marché, ça a marché. Hein. Ça a fait le taf, je m'embrouille un petit peu dans mes touches. En fait, j'ai mis mes touches pour avancer sur les autres jeux que je joue sur PC, tu vois, pour attaquer. Et je me déplace avec les flèches directionnelles du PC. C'est un peu perturbant, je vous cache pas. Mais c'est tellement kiffant de retrouver un petit jeu comme ça avec qualité graphique de l'époque, style Super Nintendo et tout. Moi je kiffe, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Go go go, ils sont sur les PC là, qu'est-ce qu'ils foutent? Ça te regarde les PC hein. Il m'a balancé un ordinateur à la gueule. Salaud. Ah oui, je sais pas comment je fais pour avoir le Monko Ultime.
Ok, je crois que j'ai mon kill team là. Ah, la porte, je peux faire quelque chose ou pas hein? J'ai sauvé Burn. J'ai bien fait de faire ça. Il y a des petits trucs quand même à faire, tu vois, genre secret et tout, caché et tout. J'aime bien, j'aime bien. Allez. Ah, je vais faire des stacks en sautant ici ou tout. Bon, regardez notre super attaque pour un boss, un truc comme ça. Et sa cuisine, ça se fait plaisir. C'est quoi ce bordel là? Voilà. Est-ce que je peux nettoyer les caméras? Ah, ça aurait envoyé sur un adversaire. Ok, ok, on peut jouer un peu de plaqué des corps du coup. Là, je vous cache pas que je spam le même bouton depuis le début. Je peux faire un double saut, c'est pas mal en vrai de savoir. C'est pas mal à savoir. Allez hop. Ah, les petites pizzas pour récupérer de la vie. Ça, je me rappelle. Là, ça arrive en masse là. Aïe aïe aïe. Vous voyez un glaçon de viande à la gueule? J'y crois pas. Je peux pas y aller là. Est-ce que je peux taper la porte? Non. Ça fait de la musculation. Ils ont des boucliers et tout. Allez hop. Merde, merde. Je confonds mes touches là. C'est affreux. Allez hop, let's go. La petite musique et tout d'ambiance, j'aime tellement, j'aime tellement. Oh, viens ici là. C'est le big boss. Ah, il part les coups, il part les coups, salaud. Spammez-le, spammez-le. Voilà, plein envoyé sur l'écran. Aïe aïe aïe. J'ai un petit succès, elle touche encore de provocation. Ça le fait, ça le fait. Eh oh là, le petit berdeux là. Voilà. Ok, je peux libérer personne. Est-ce qu'il y a des petites salles secrètes? Non, j'ai pas l'impression. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est plus le but mine de rien. Hein. Là je suis dans le rouge, ça craint. Hop là, envoyé sur l'écran. On est reparti du coup. En fait il y a le petit. On voit le mode de difficulté dans le menu, je voulais régler mes touches mais j'ai pas réussi. On voit le temps qu'on met pour la mission, on voit les petits défis. Là faut que je vainque 4 ennemis en usant des pièges, mais il reste ça à faire. Comme le niveau soin de blessé, ça j'ai échoué et ce que trouver 1 sur 2. On va tâcher de se rattraper, mais enfin de se rattraper. Ça marche, je trouve une pizza là. Aïe aïe, je suis dans le mal, je suis dans le mal. Je suis plus que dans le mal là. Oh, je suis mort. Ok, j'ai des vies, j'ai des vies, j'avais 3 vies. Ça commence mal, ça commence mal. Allez hop, mange, mange. Et là du coup. Il y a un petit piège là, un petit piège ma foi. Ah, j'ai trouvé un truc. Ma foi. Il y a des petites techniques aussi à avoir, hein, j'ai l'impression. Allez, mange, mange, mange. Ah, the big boss. C'est on affronte le premier petit boss. Le cochon. Bebop. Aïe aïe aïe.
C'est que j'ai pas de coup spécial disponible là. J'ai gagné un niveau de puissance, ça c'est pas mal. Merde. Je vois qu'un effort, je me trompe de touche. Allez, bon, on a eu, j'étais de HP. Hein. J'ai eu de la chance. Hein. Easy peasy, qu'il a dit. C'est stylé, j'aime bien pour l'instant. Épisode 1 terminé. Le fameux Kawabanga, il fait plaisir à réentendre. Hein. Je vous le dis. Ah oui, il y avait son collègue, toujours. Je me dis, mec, ils étaient à deux. Hein. Ok, c'est barré avec la petite tête. Du coup, je pense que ma cam elle est bien, plutôt bien placée en vrai. Je pense pas qu'elle gêne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la map et tout là. Ok, donc là on va à la mission numéro 2. Panoramique. Tanière des tortues. Ah, je peux aller à la tanière des tortues. Ok, c'est pour voir un peu les succès, j'ai l'impression, un truc comme ça. Traquer joueur, former équipe. Voilà la mission numéro 2. Hein. La grosse pomme, 15h. Donc là, on va affronter le rhinocéros. Le deuxième acolyte. Bah tiens, le voilà. Et nous, on a notre petit véhicule là. Ils nous l'ont saboté. Allez hop, mangez. Salaud, voilà. Ouh. C'est trop bien ça. C'est trop bien, je les ai tous défoncés en 2 secondes. Ça me rappelle vraiment les premiers Ninja Turtles avec lesquels j'ai joué moi sur Super Nintendo. C'est très très kiffant. Ah oui, ok, ils ont une attaque chargée, je pourrais esquiver facilement, ouais. Voilà, je sais esquiver comme ça. Voilà. Ça, je me rappelle, voilà. Voilà, ça que je peux faire. Les vieux réflexes là, du premier Ninja que j'ai joué. Ninja Turtle de je sais plus quelle année. Hein. L'année 90, hein. Je l'avais sur Super Nintendo. Je crois que je fais des vides dans le trou, il me semble, de mémoire. On va pas tenter d'y aller. Ah, on a trouvé. Ok, trop cool. Ça, je peux les envoyer également, je me rappelle. Hop. Parfait. Ah, mais ça, je peux faire un effort aussi. On va faire un bout de tuyau. Hein. Et ça, je pensais que je pouvais taper la voiture, un truc comme ça. Ah, il y a un truc dans le sac là. Ok, j'ai sauvé Irma. Ah, c'est des ennemis, ok, je comprends mieux. Non, ils ont envoyé des trucs, je crois. Non, même pas. Buton dispositif. Ça, on en a eu un. Je me rappelle de ces petits robots aussi, ils y étaient dans le jeu que je jouais. C'est trop bien. Let's go, on est low en HP par contre. Hein. Je sais que j'ai mon coup spécial, mais je préfère les calmuser pour un moment que ce sera un peu plus chaud. Il y a de la vie là. Ok, let's go. Allez, mange. Mange également. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. On trouve un petit truc, journal secret, cool. Il a défoncé ses collègues avec sa bagnole, il est con. Je n'ai jamais vu ça.
Je sais pas si j'améliore assez mes tortues aussi, genre si celui-là du coup il est level 2 déjà. Attendez, échappe. Je suis niveau de puissance 1 avec 50 projections, 24 soldats sans super attaque. Ok. Super projection, je sais pas trop comment on fait en vrai. J'en ai fait 2 sur le premier chapitre, mais je sais pas comment j'ai fait. Avec leur bécane, j'y crois pas. Voilà, je crois que ça m'a fait un peu de dégâts par contre aussi. Et hop, t'en manges également. Ah merde, j'aurais pu esquiver. Ah, je lui ai renvoyé, je crois. J'ai pu lui renvoyer en tapant au même moment. Entrer. Je pensais que je pouvais entrer là-dedans, il y avait écrit Hunter. Voilà, voilà, ça dégage. Ah non, ceux qui me dégagent par contre. Attendez, attendez, attendez. Je vais pas monter sur la bagnole. Lui, qu'est-ce qu'il nous fait hein? Allez, hop, 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 hop. Et j'ai plus d'ennemis que sur la mission numéro 1. On sent qu'on augmente un petit cran, mine de rien. Je peux récupérer de la vie là. Ok, on a récupéré de la vie, on a eu les autres à quelques. On sait pas quelle touche je dois appuyer pour me défendre, mais. Enfin, pour me débattre plutôt. C'était pas indiqué. La puissance de ninja infini. Profitons-en pour défoncer tout le monde. Allez hop mange. Je pensais que je pouvais retaper de l'autre sens mais non en fait non. Pas du tout. Foot shop. Tu vois qu'il y a des petits secrets et tout, genre foot shop, là tu dois envoyer un truc sur le carreau pour le casser et t'as un truc. C'est une possibilité. Allez, let's go. Ouais, j'ai envie sur l'écran, je sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai fait. Ça, ça fait plaisir. Chaud mon coup spécial. Hein. Ah, ça va être le boss là. Oula, il en véhicule tout carrément. Le bestiaux, le bestiaux. Ah bah hop, garé le bordel. Rhinocéros sauvageur. Ah, j'ai ça mon coup ultime là. J'ai toute la honte. Ça me branche pas. On va prendre des petits bottes. Oh non, j'ai pas d'une vie encore. En mission, j'aurais pas d'une vie à chaque fois quoi. Allez, oh oh oh! Là, toi, bouffe. Lui, il est là. Moyen de le finir. Attends, attends, il est vraiment le HP. Et voilà, le Rocksteady de battu. Easy peasy. Deuxième mission réussie. On va passer à la troisième directement. Ça c'est stylé, ça c'est kiffant d'entendre ça. Ils ont réussi à se barrer. Est-ce que je peux aller Là je peux récupérer tous les gros titres de Burn. Récupérer tous les journaux intimes sucrés d'Inma.
Il m'en manque plus que un à trouver. Et là, il m'en manque 4. Ok. On part sur la mission 3 pour vous faire ça. Hein. Let's go. On va affronter Broadway. Je pense que c'est le véhicule qu'on a vu là. Je pense que c'est le véhicule qu'on a vu. Je vais quand même passer le cochon sous parti avec. Voilà, celui-là. Je me rappelle, on pouvait accéder sur des trucs comme ça et tout, c'est stylé. Défi ne pas se faire blesser plus de 2 fois par obstacle. Termine le niveau sans être blessé. Ah oui, c'est chaud. 25 minutes sans attaque sautée. Ok. Merde. Ouais, c'est déjà fait. Je me rappelle dans le premier Ninja Turtle que j'avais joué. Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. A savoir que j'ai changé de petit jeu Ninja Turtle et puis il y a tous les anciens jeux regroupés en vrai Ninja Turtle et je pense que je vous ferai plusieurs DSP dessus. C'est le jeu en tout cas qui me paraît le plus intéressant. Peut-être pas les tout premiers sont en noir et blanc et tout. Ils datent des années 80, on voit que ça date de fou. Hein. Il y en a qui datent des années 90 qui sont vraiment bien. Notamment celui que j'avais joué durant mon enfance, donc celui-là on le refera c'est sûr. C'est chaud quand même là, hein. Obstacle. Obstacle là, ok. Oh merde, putain, j'ai fini le tableau. Oh, j'aurais pu, hein, franchement, esquiver. Hein. Je vais comprendre le système en plus. Et je prends trop cher la mission, elle est un peu plus compliquée déjà. Il m'envoie les bombes là. Mais là j'ai pas vu de vie, c'est fou. Il y a tous les indicateurs et tout pour esquiver, là, rien de plus simple. Et j'y arrive pas. Ah les musiques sont trop bien de fond. Après les vieux petits jeux à l'arcade à l'ancienne. J'aime beaucoup. On dirait pas, moi j'aime bien les jeux à l'arcade à l'ancienne, franchement ça rappelle des bons vieux souvenirs. C'est des jeux simples, tu ne connais pas la tête, et tu t'amusais tellement bien. Et allez hop. J'ai fini écrasé, allez, oh non, le truc de vie, oh j'aurais voulu le récupérer. Allez, prends-toi ça. Ah. Merde. Ah, j'y arrive pas, hein. J'ai pas le grand mono de vie. Allez, let's go. On a eu, mais je suis tellement loin de HP, donc ça, c'est foutu pour moi, je pense. Ouais, voilà, je n'ai pas d'une vie. C'est rude. Mais là, mange. Hop. Allez, retour 2 là. On va mettre 4 coups. Et mes chers, j'ai fait ma dernière vue en plus. Enfin, avant-dernière, si je comprends bien. Le déroulement du truc. Allez, du coup, on l'a eu. On tâche de pas se faire écraser. Ça ne pas se faire écraser, c'est tombé dans le trou carrément. Ce petit robot, j'avais vraiment pas du tout, mais hein. Faut que je saute en même temps, en fait, je crois. Allez. Oh non, ma dernière vie. Ah, je me vois. Ah, j'ai perdu. Allez, c'est une mission que j'ai mis beaucoup plus que la précédente, ça te coûte de vous.
J'ai peut-être pas fait les meilleures touches pour PC là. Allez, on y retourne, on y croit cette fois-ci. Mais c'est t'achètes tout ce qu'il veut aussi également. En vrai, si tu travailles dans le jeu, tu veux pas tous les petits trophées et tout là. Et moi, c'est que le jeu demande quand même du skill. Là, j'ai déjà pris des dégâts. Ça craint. Alors, le 2 il dégage. J'ai fait tomber dans le coup. Hein. Je galère avec les déplacements et tout. Bon, moi je garde 2 vies pour le combat avec le boss. Si c'est en plus un combat toujours dans mode véhicule, il y a moyen que je galère après trop. Ok, let's go, il a pris les dégâts à la même place. Là je me les fais plus par contre. Et ça c'est ce qui facilement ça. Le karma. Allez, mange. Encore une fois, c'est fou. Bah, vous souvenez qu'à un moment il y a un truc de vie quand même aussi hein. Ah, je peux juste leur donner des coups un petit peu. J'ai pu leur donner quelques coups, bon je suis mort si je me suis donné un petit peu vraiment à eux. C'est un peu dommage. Vas-y, on essaie de tout esquiver là. Logiquement la phase là est assez simple. Je crois que c'est bientôt d'avoir la petite vie. Voilà. Allez, ça peut s'échapper comme ça. Je tue le coup spécial, mais voilà, comme ça les liquide vite fait. J'aurais peut-être dû le garder pour là, il y a encore plus de monde là. On est bien esquivé là, on récupère la vie cette fois-ci. Ah, ça c'est cool. On est mieux parti. Hein. Donc, on a compris un petit peu comment ça se passe. Qui a, je crois. Et moins 1. Ah oui, il m'a touché par contre. Il m'a touché le salaud. Allez hop, mort. Et le petit PNJ de base, tac, ça dégage. Allez, le retour de celle-là. Allez, moins 20, on va pas refaire ça. Allez, let's go, j'ai eu les 200 points de dégâts, ça c'est cool. Là, on va voir les petits coups là. On s'en rappelle. Ces petits robots, mine de rien, ils sont chiants quand même. Et attends, on va essayer de les tuer, voilà, vite fait, tiens-moi ça. Moins 2. Moins 3. Et le dernier. Il arrive. Let's go, moins 4. Là, on a 2. Let's go. On a 2 ultis, je crois. Ah ça y est, The Big Boss qui est là. The Big Boss. Oh, j'ai un deuxième ulti, je vais en profiter. Je vais enchaîner directement. Voilà, ça fait mal déjà.
On aura mes chers. Je pense que logiquement j'arrive à le battre sans même utiliser une ville. Enfin, si je me débrouille bien, ça peut le faire. Moi je prends des dégâts juste parce que je la roule trop près. Oui, d'accord. Allez, let's go. Ça explose, ça dégage. Easy peasy, troisième mission aussi, Père Bunga. Let's go, let's go. Elle était plus compliquée que les deux premières, celle-ci, ma foi. Petite cinématique. Petit Shredder qu'on voit, le petit Shredder. Ça, c'est la mission numéro 4. Ok, faut qu'on se balade comme ça et tout. Ok, très bien, très bien, très bien. Maintenant, être tu trouvé joueur panoramique. La ville est grande, la ville est grande en vrai. Enfin, grande. Pas non plus immense, mais à mon avis, il y a de quoi, il y a de quoi avoir beaucoup de missions quand même. Mais attends, attends, on va retourner sur les anciennes, vite fait voir. Il y a toujours 1 sur 5, ok. Et là, on est toujours à 2 sur 3, ok, très bien, très bien. Alors les amis, pour le premier épisode de ce Let's Play sur Ninja Turtle Shredder Revenge, on va s'arrêter là, on a déjà fait les 3 premières missions, on va continuer la suite durant le prochain épisode qui sortira très prochainement sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à rester connecté en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, d'ailleurs comme d'habitude ça fait plaisir, c'est la récompense, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous pensez sur ce petit jeu également, si vous le trouvez bien. Ou non, et si c'est non, pourquoi, enfin expliquez le pourquoi du comment dans les commentaires. Pour ça, je vous laisse ici, très bonne fin de soirée à vous tous, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.